mes amis turfistes, j'espère que vous allez bien. Moi, ça va tranquille, donc c'est parti pour ce débriefing du quintet du jour. Devant son compagnon d'entraînement, c'est le favori des porte-toi. Foreign Flower qui est lancé à son tour maintenant. Et voilà Echo de Chandou et Yellowfield également qui refont du terrain. La dernière haie qui est en vue pour Stoughton Street, le numéro 7, qui saute en tête largement devant Foreign Flower, devant également Echo de Chandou, Déporte-toi et Yellowfield. Stoughton Street, le numéro 7, qui a l'avantage. Stoughton Street qui accélère, associé à Paul Moreau et qui va remporter très facilement cette grande course de haie de printemps. Nouvelle victoire pour François Nicole ici. Le 7, Stoughton Street s'impose. Le 16, Echo de Chandou sera deuxième devant le... Donc l'arrivée, ce 7 qui gagne très bien. Ce 16 qui arrive en deuxième position, le 14, troisième position, ce 10, le vieux Briscard le manque avec quatrième position, et Déporte-toi, le grand favori qui finit cinquième. Donc ça fait 7, 16, 14, 10, As. Alors moi, sur mon ticket, le 7, c'était mon regret en cas de non partant. Après, le 16, il était dans mon outsider, le 14 aussi. Le 10, le Mans, on l'avait pas, et l'As faisait partie de nos bases. Donc il... Dommage que je ne mets pas plus haut mon regret pour avoir au moins quelques gains. Mais voilà, il nous manquait ce 10, bien sûr. C'est ce 7 qu'il fallait que je passe plus haut de mon prono. Voilà. On se retrouve pour nous pour ce quintet de lundi. Ça sera sur le podrome de Chantilly, si je ne me trompe pas, les amis. Je crois en plus sur la distance de 3000 mètres. Ça sera le prix du centre d'entraînement. Voilà, donc 3000 mètres, 16 partants. Voilà, dans mon pronostic, je vais choisir des chevaux qui tiennent la longueur, qui courent souvent ces 3000, 3100. Donc c'est parti de suite pour notre pronostic, les amis. On va commencer par nos deux bases. Je vais mettre ce 5, Karlstad, avec Maxime Guyon, Madame Brandt à entraînement. Donc c'est un cheval qui connaît les parcours à longue haleine, 3100, 3000. Il est toujours là. Je pense que ça peut être sa course, donc attention à lui. Ma deuxième base, ce sera ce 7, Namunga, un cheval voilà, qui détient en plus pas mal de palmarès. C'est le deuxième cheval le plus riche de ce quintet-là. Voilà. Avec Alexis Badel, numéro 2, derrière les stalles. Le Namunga a déjà bien couru sur ce parcours-là, donc attention. Mais toute ça derrière, je vais mettre ce 10, voilà, Mortré, avec Christian Desmureaux. Attention à lui, comme j'ai dit, adore les parcours de longue haleine, surtout ces 3000 mètres. Voilà. Derrière, je vais mettre ce 9, Pacha d'Argent. Le cheval le plus riche du quintet. Il a engrangé déjà 266 000 euros. Donc, Pacha d'Argent, c'est Benoît dessus et Jean-Pierre Gauvin à l'entraînement. Il reste sur deux fois une troisième place. Voilà. Je vais mettre ce 12, un bon outsider, Port d'Auville, avec Ardouin et Forizien à entraînement. Attention à lui, il peut créer une grosse surprise. Et je vais mettre encore un autre outsider, ce 16, qui va partir avec le plus petit poids. C'est Madame Paco dessus. Voilà, ce 16, j'ai remarqué qu'il est très bon en fait dans les parcours 3000-3100. Il va monter de catégorie, hein. Mais bon, voilà, comme il va partir le plus petit poids, on ne sait jamais pour les grosses surprises, surtout comme j'ai dit avec les qualités. Handicap, pour moi c'est la loterie, donc on sait jamais, il faut mettre quelques gros outsiders. Et en cas de non partant, à mon regret, ce 8, Airfield Botti. Voilà les amis, donc ma sélection, mon ticket, comme d'habitude, je vais mettre 5, 7, 3 croix et 4 bases derrière, 10, 9, 12, 16. Et en cas de non partant, ce 8, les amis. Donc nous on se retrouve pour notre report, donc le report d'aujourd'hui. On a encore été une fois malheureux, qui passe pas. Donc voilà, ça sera bien qu'on commence un peu à prendre un report. Hein. Donc le report pour lundi. Donc on va faire un report de 3 courses. Parce que là, il faut tenter des reports kamikaze. Mais bon, kamikaze, mais bon, j'ai ces 3 courses que... Voilà, c'est toujours pareil, sans accident ou quoi, qu'on peut avoir ce report. Donc c'est parti, ça sera la réunion 3 à Angers. Course 1. Faudra faire confiance à l'écurie Griffe. Donc pour ce 2 sur 4, je vais jouer à la première course ce 3 et 4. Donc Guinness Griffe et Gitane Griffe. Voilà. Après, je vais jouer la cinquième course. La cinquième course, je vais jouer ce 4 Dream Along
avec Tony Lebellaire dessus. Et je vais mettre ce 5 David Tazière. C'est mon cheval repéré. Hein. Quand je voyais les jumelles avec mon dessin, c'est le cheval, si vous voulez, du jour ou voilà, pour jouer à la gagne ou à la place. Voilà, donc avec Mathieu Rivard, mon jockey préféré, entraînement, Yannick Henry, David Tazière, vu ce qu'il a fait dernièrement, pour moi, il ne doit pas être pas plus loin que troisième, mais au moins jouer pour la victoire. Donc s'il arrive à jouer en sécurité, le simple gagnant placé sur lui, allez-y, David Tazière. Mais pour mon 2 sur 4, le 4 et le 5, pour ma deuxième course. Et pour ma troisième course, ça sera la course 6, les amis. Hop, parce que là, je regarde avec vous. Voilà, si mon PC veut bien. Ça arrive, les amis, ça arrive. Alors, voilà, donc, je vais tenter ce 3 Cachou Narcy avec Brossard dessus et ce 10 Chigny de Loison pour une cote. Voilà les amis, ce 3 et 10 pour ma troisième course de ce report. Moi, comme d'habitude, je vous dis bonne chance, bon pronostic, bon jeu et à demain!